Bonjour les enfants, je suis Bob. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet. A est la première lettre que nous devons trouver. Allons-y, trouvons le A. Les enfants, voyez-vous le A? Il est caché derrière le lampadaire. Boo! Hey Bob! A, veux-tu te joindre à moi? Bien sûr, Bob! Mais que fais-tu là-haut, B? Je te cherchais. Et voici que tu es là. Regardez les enfants, C est là. Il semble aller quelque part. Bonjour, Bob. Bonjour, C. Mais où vas-tu? Je vais au parc. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Oui! B, mais que fais-tu derrière les arbres? Je joue à cache-cache. Veux-tu te joindre à nous pour un tour rigolo? Oui! Bonjour, E. Comment vas-tu? Aimerais-tu venir avec nous? Bonjour, Bob. Je vais bien. Merci. Oui, j'adorerais venir avec vous. Les enfants, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu! C'est F! Bonjour, Bob. Bonjour, G. Mais où vas-tu? Bonjour, Bob. Je vais rencontrer H. Venez. Bonjour, H. Bonjour, Bob. G, joignons-nous à Bob. Oui. Les enfants, les prochaines lettres sont I et J. Nous attendons pour le bus. Il nous emmènera aux îles flottantes. Je vais également aux îles flottantes. Tous les deux, venez avec nous. Les enfants, regardez K. Il est sur la balançoire. Bob, puis-je me joindre à mes amis I et J? Bien sûr. Super. Attendez-moi, je veux venir aussi. Bonjour, M. Mais que fais-tu? Bonjour, Bob. Je rentre chez moi. Veux-tu te joindre à nous plus tôt? Oui! Wouhou! Bonjour, N. Bonjour, O. Bonjour, Bob. Bonjour, Bob. Bonjour, P. Où est Q? Bonjour, Bob. J'essaie de trouver Q. Peux-tu m'aider à trouver Q? Regarde! Q se cache derrière la maison. Regardez, les enfants. Il y a S. Bonjour, Bob. J'attends R. Bonjour, Bob. Bonjour, T. Vas-tu quelque part? Bonjour, Bob. Je vais en ville. Rencontrer U et V. Allons voir U et V ensemble? Oui! Bonjour, U et V. Voulez-vous venir avec moi rencontrer W? Oui, nous allions rencontrer W. Allons-y ensemble. Bonjour, W. Bonjour, Bob. J'attends mes amis T, V et U. Les as-tu vus? Oui.
Ils sont à bord. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous? Oui! Wouhou! Regardez, tous nos amis! Peut-on nous joindre à vous, Bob? Bien sûr, X, Y et Z. Wouhou! C'était bien rigolo. À très bientôt. Bonjour les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Soyez prêts, car aujourd'hui, nous allons jouer avec des figures colorées et beaucoup d'amusement. Laissons toutes les figures se présenter une par une. Carré est mon nom. Mes quatre côtés sont semblables. Tourne-moi autour, je m'en fiche. Je suis partout pareil. Je suis un carré. Cercle est mon nom. Regarde-moi tourner en rond. Et bientôt, tu apprendras. Mes bords extérieurs n'en finissent pas. Je suis un cercle. Je suis un cercle. Rectangle est mon nom. Mes quatre côtés ne sont pas les mêmes. Deux sont courts et deux sont longs. Compte mes côtés et viens par ici. Un, deux, trois et quatre. Triangle est mon nom. En haut de la colline jusqu'au sommet, en bas de la colline, puis tu stoppes. Droit devant, dis-moi ce que tu as. Un triangle. Oui, un triangle. D'accord, les enfants. Maintenant, allons-y. Jouez avec les figures et construisez quelque chose de plus. Oui! À présent, montrons nos talents. Une belle maison de figures nous construirons. Mes quatre côtés sont semblables. Quel est mon nom? Un carré! Oui! Plaçons-le ici. Maintenant, regardez là-bas et dites-moi la forme du toit. Triangle! Oui! Plaçons-le à présent à un angle parfait. Nous sommes très forts! À présent, nommez une figure avec quatre côtés. Deux courts, deux longs. Rectangle! Oui! C'est bien un rectangle. Quelle belle maison nous avons construite! Oui! Eh bien, c'était amusant. À présent, faisons un nouveau jeu. Nous voulons peut-être aller quelque part. Alors, construisons tous ensemble une voiture. Oui! Quelle figure tourne rond et rond sans s'arrêter? Dites-moi. Un cercle! Oui, c'est bien un cercle. Plaçons-le comme cela. Pour notre voiture, nous avons besoin d'une forme avec deux longs côtés et deux courts. Un rectangle! Oui, c'est un rectangle. Plaçons-le ainsi. Quelle forme à quatre côtés semblables devons-nous mettre au-dessus? Un carré! Oui, c'est un carré. Lâchons-le à cet endroit. Utilisant toutes les formes, quelle belle voiture nous avons créée! Oui! Pour se reposer, fabriquons un arbre. Les enfants, n'êtes-vous pas d'accord? Si! Commençons avec un rectangle cette fois. À présent, est-ce que cela semble bien? Quelle autre forme pourrions-nous utiliser? Un cercle? Un rectangle? Oh, s'il te plaît, dis-nous! Ok, nous devrions utiliser quelques triangles. Waouh! Cela ressemble à un très bel arbre. Les enfants, n'êtes-vous pas d'accord? Si! Les enfants, à présent, construisons quelque chose de nouveau. Que pensez-vous d'une balançoire? Oui, nous pouvons jouer avec la balançoire toute la journée, toute la journée. Ok, quelle forme avons-nous besoin pour commencer? Un triangle serait parfait pour notre balançoire. À présent, nous avons besoin d'une forme avec deux courts côtés et deux longs. Oui, construisons un rectangle. À présent, plaçons-le délicatement ici. Regardez, nous avons construit une balançoire nous-mêmes. Je m'amuse vraiment bien aujourd'hui. Oui, Bob. Nous avons besoin de nous asseoir et manger quelque part. Construisons une table et des chaises. Nous utiliserons quatre rectangles pour les pieds. Plaçons-les tous à la verticale. C'est parfait. Merci, rectangle. À présent, prenons une forme qui est ronde. Les enfants, dites-moi quelle forme il me faut. Un cercle!
Oui, c'est un cercle. Plaçons-le au-dessus. Voici notre magnifique table. Encore plus jolie que dans un magasin. À présent, appelons les carrés et rectangles pour construire nos chaises. C'est magnifique! À présent, nous pouvons tous nous asseoir quelque part. Merci les formes, je me suis bien amusé aujourd'hui. À bientôt pour plus d'amusement. Bonjour, je suis Bob et je veux vous aider à apprendre les nombres. Comptons à présent les objets dans mon wagon. Un camion. 1. Bonjour, 1. Bonjour, Bob. 2. Montre. 1, 2. Bonjour, 2. Bonjour, Bob. 3. Ruche. 1, 2, 3. Bonjour, 3. Hey, salut, Bob. 4. Soleil. 1, 2, 3, 4. Salut, 4. Hey, tu vas bien? 5 parapluies. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, 5. Salut, Bob. 6. Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour, 6. Comment vas-tu, Bob? 7. Pomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour, 7. C'est bien de te voir, Bob. 8. Chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour, 8. Bonjour, Bob. 9. Sucette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour, 9. Bonjour, Bob. 10. Ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour, 10. Cela fait plaisir de te voir, Bob. Allez, comptons les nombres encore une fois. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Coucou les enfants, vous voulez faire un tour plein de couleurs? Alors suivez-moi! Jaune, jaune, j'aime le soleil. Jaune, jaune, j'aime le soleil. Violet, violet, j'aime le raisin. Violet, violet, j'aime le raisin. Bleu, bleu, j'aime le ciel. Bleu, bleu, j'aime le ciel. Blanc, blanc, j'aime les nuages. Blanc, blanc, j'aime les nuages. Allez, venez tous dans mon train coloré. Regardez ces couleurs vives. Allez, venez tous dans mon train coloré. Faites un tour plein de couleurs. Vert, vert, regardez les arbres. Vert, vert, regardez les arbres. Rouge, rouge, regardez les fleurs. Rouge, rouge, regardez les fleurs. Orange, orange, regardez la maison. Orange, orange, regardez la maison. Rose, rose, regardez la porte. Rose, rose, regardez la porte. Allez, venez tous dans mon train coloré. Regardez ces couleurs vives. Allez, venez tous
dans mon train coloré, faites un tour plein de couleurs. J'espère que vous avez aimé ce tour coloré. À bientôt les enfants. Je suis le train des formes. Chou chou chou. Je suis le train des formes. Monsieur cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur triangle, triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train comme l'a fait Monsieur Carré? Monsieur triangle, triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train comme l'a fait Monsieur Carré? Monsieur étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Monsieur étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Monsieur ovale, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Monsieur ovale, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Au revoir les enfants! Bonjour, je suis Bob le train. Cela te dit une aventure spatiale? Oui! Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Oui! Peux-tu voir Mercure? C'est proche du soleil. Fera-t-il chaud là-bas? On ne veut pas brûler? Oh non, ne t'inquiète pas, nous n'irons pas trop près. Assieds-toi, bronze un peu, de la tête aux pieds. Regarde, il y a Vénus ici, tout recouvert de nuages. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Faisons leur coucou. Bonjour, il y a quelqu'un? Sa forme est comme la Terre, mais personne n'y habite. Continuons notre route tout autour des planètes. Wow, wow.
Qu'est-ce que cette chose bleue si belle? C'est la terre, non, je crois. Oui, ce sont bien les mers et les terres et la neige. Nous pouvons y vivre, il y a de l'air pour respirer. Il ne fait pas trop chaud, ni trop froid d'ailleurs. Peux-tu deviner ce qu'il y a devant? C'est la planète rouge. Voyons voir de plus près. C'est magnifique, je sais. C'est la quatrième planète. Elle vient juste après la nôtre. Sais-tu comment elle s'appelle? Son nom est Mars. Ici la planète Jupiter. Tu peux voir qu'elle est immense. La plus grande de toutes. Grande comme mille terres. Elle a une grande tache rouge et elle a beaucoup de lunes. Avançons dans notre voyage, tout en chantant la chanson des planètes. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Cette planète est très belle, elle a un anneau tout rond, elle se nomme Saturne. Allons voir de plus près. Oh, il y a de nombreux anneaux, tout en cristaux de glace. J'aimerais pouvoir vivre ici, ne serait-ce pas merveilleux? En face, il y a Uranus, qui a un éclat bleu-vert. Pourquoi on ne peut pas voir à l'intérieur? À cause de tous les gaz. Bonjour! Que caches-tu à l'intérieur? Neptune est juste devant nous. Elle est d'un joli bleu. Elle se nomme géante de glace. Elle a de l'eau aussi. A vu toutes les planètes, mais il y a bien d'autres choses à voir ici. La prochaine fois, nous verrons cela. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Êtes-vous prêt pour apprendre les nombres avec Bob le train? Ok, alors en avant. 1. Un petit canard, coin, 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 un petit canard. 2. Deux ballons rouges, saute, 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 deux ballons rouges. 3. Trois vieilles horloges, tic-tac, tic, tic-tac, tic, trois vieilles horloges. 4. Quatre grosses cloches, ding-dong, ding, ding-dong, ding, quatre grosses cloches. 5. Cinq belles voitures, tut-tut-tut, tut-tut-tut, cinq belles voitures. 6. Grands arbres, siffle, 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 six grands arbres. 7. Sept chiens coquins, wap, 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 sept chiens coquins. 8. Huit tambours bruyants, bang, 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 huit tambours bruyants. 9. Neuf téléphones sonnent, dring, 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 neuf téléphones sonnent. 10. Dix jolis ballons, pop, 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 dix jolis ballons. N'était-ce pas rigolo? Faisons-le encore une fois. 1. Un petit canard, coin, 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 un petit canard.
deux. Deux ballons rouges sautent, 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 sautent. Deux ballons rouges. Trois. Trois vieilles horloges tic-tac, tic, tic-tac, tic. Trois vieilles horloges. Quatre. Quatre grosses cloches ding-dong, ding, ding-dong, ding. Quatre grosses cloches. Cinq. Cinq belles voitures tut, 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 tut. Cinq belles voitures. Six. Six grands arbres siffle, 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 siffle. Six grands arbres. Sept. Sept chiens coquins wap, 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 wap. Sept chiens coquins. Huit. Huit tambours bruyants bang, 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 bang. Huit tambours bruyants. Neuf. Neuf téléphones sonnent dring, 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 dring. Neuf téléphones sonnent. Dix. Dix jolis ballons pop, 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 pop. Dix jolis ballons. C'était vraiment amusant. Oui. Tu peux revenir quand tu veux pour apprendre les nombres. Bonjour tout le monde. Quelle belle journée. Allons à la ferme aujourd'hui. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des canards. Ia, ia, oh. Avec des coins, coins ici et des coins, coins là. Ici un coin, là un coin, tout autour des coins, coins. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des chevaux. Ia, ia, oh. Avec des ici et des là. Ici un là, un, tout autour des. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des vaches. Ia, ia, oh. Avec des meumeux ici et des meumeux là. Ici un meu, là un meu, tout autour des meumeux. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des cochons. Ia, ia, oh. Avec des ici et des là, ici un là, un, tout autour des. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des poules. Ia, ia, oh. Avec des côtes, côtes ici et des côtes, côtes là. Ici un côte, là un côte, tout autour des côtes, côtes. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des moutons. Ia, ia, oh. Avec des bébés ici et des bébés là. Ici un bébé, là un bébé, tout autour des bébés. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des chiens. Ia, ia, oh. Avec des waf, waf ici et des waf, waf là. Ici un waf, là des waf, tout autour des waf, waf. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des chats. Ia, ia, oh. Avec des miaou miaou ici et des miaou miaou là. Ici un miaou, là un miaou, tout autour des miaou miaou. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Au revoir les enfants, vous vous êtes bien amusés ?
Bonjour les enfants. Avez-vous déjà rencontré la famille de Bob le train? Montre-moi le premier doigt. C'est Papa Train. Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est Maman Train. Maman Index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? N'était-ce pas amusant? Regardons-nous doigts encore une fois. Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est Maman Train. Maman Index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? C'est super! À la prochaine! Il en avait 10 des enlis et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 9. Il en avait 9 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 8. Il en avait 8 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 7. Il en avait 7 dans le lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 6. Il en avait 6 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 5. Il en avait 5 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 4. Il en avait 4 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 3. Il en avait 3 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 2. Il en avait 2 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 1. Il en avait 1 dans un lit et le petit a dit: bonne nuit. Hé, les enfants, regardons le son petit canard. 5 petits canards sont allés nager un jour sur la colline au loin. La mère canard dit couac, 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 et seuls 4 canards sont rentrés. 4 petits canards sont allés nager
Un jour sur la colline au loin, la mère canard dit couac, 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 et seuls trois petits canards sont rentrés. Trois petits canards sont allés nager un jour sur la colline au loin. La mère canard dit couac, 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 et seuls deux petits canards sont rentrés. Deux petits canards sont allés nager un jour sur la colline au loin. La mère canard dit couac, 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 et seul un petit canard est rentré. Un petit canard est allé nager un jour sur la colline au loin. La mère canard dit couac, 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 et les cinq petits canards sont rentrés. À bientôt! Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob, et Bob est un nom. Je suis un train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms. Ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons à un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à les peler. Ok, Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, les noms, les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils
ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui! J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois! Au revoir! Bonjour tout le monde! Quelle belle journée! Allons à la ferme aujourd'hui! Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des canards, ia ia o. Avec des coins coins ici et des coins coins là, ici un coin là un coin tout autour des coins coins. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des chevaux, ia ia o. Avec des ici et des là, ici un là tout autour des. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des vaches, ia ia o. Avec des meumeux ici et des meumeux là, ici un meu là un meu tout autour des meumeux. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des cochons, ia ia o. Avec des ici et des là, ici un là un, tout autour des. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des poules, ia ia o. Avec des côtes côtes ici et des côtes côtes là, ici un côte là un côte tout autour des côtes côtes. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des moutons, ia ia o. Avec des bébés ici et des bébés là, ici un bête là un bête tout autour des bébés. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des chiens, ia ia o. Avec des waf waf ici et des waf waf là, ici un waf, là des waf, tout autour des waf waf. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des chats, ia ia o. Avec des miaou miaou ici et des miaou miaou là, ici un miaou là un miaou tout autour des miaou miaou. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Au revoir les enfants, vous vous êtes bien amusés? Hey les enfants! Youpi! Bob est ici! Bob est ici! Un petit jeu amusant, nous allons jouer! Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne! Un petit jeu amusant, nous allons jouer! Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne! Une couleur je choisirai, plus d'indices je vais donner, une supposition vous devez faire, j'espionne, j'espionne! J'espionne avec mon petit œil quelque chose de brillant et de jaune. La journée n'est pas complète sans lui et la nuit il n'y en a pas. Un canard est jaune. Une jonquille jaune. C'est cette boule ronde dans le ciel, le soleil qui brille de mille feux. Et maintenant l'indice suivant, j'espionne, j'espionne.
J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de bleu et carré, ça monte et ça descend. Cela ne bouge pas beaucoup. Est-ce que c'est la balançoire que je vois? Ou la balle bleue qui fait boing boing? C'est la fenêtre bleue sur le mur. Si tu te penches trop, tu peux tomber. Et maintenant, lundi suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de rouge et de génial. C'est rond et cool pour jouer même au mois de mai. Le seau rouge dans le sable? Ce ballon rouge dans le ciel? Eh bien, oui, tu as raison. C'est le ballon rouge. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de vert, vert. Cela fait wou wou, léger comme une petite plume. Cette feuille verte sur l'arbre, cette couverture verte sur un fil. C'est ce cerf-volant vert qui vole haut. Pour l'attraper, nous devons essayer. Mais passons à lundi suivant. J'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de brun et délicieux. C'est si bon dans le ventre que tu ne peux jamais lui dire non. Morceau de pain, beaucoup, beaucoup de miel. C'est ce délicieux chocolat que je partagerai avec vous tous. Alors ouvrez grand vos bouches et laissez-le simplement glisser. J'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui, les enfants. J'espionne avec mon petit œil, un nouveau jeu et beaucoup de nouvelles couleurs pour la prochaine fois. Tu te sens seul? Alors chante la chanson de l'amitié. Il y a des jours où je me sens triste et seul. Quand mon sourire se retire, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et parfois, quand l'école devient une corvée, que j'ai vraiment envie de rentrer, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et il y a aussi des jours où je suis heureux comme le soleil. J'ai envie de partager ma joie avec quelqu'un. Je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Savez-vous qui sont les meilleurs amis de Bob le Train? Vous tous! À bientôt! Hé les enfants! Vous avez déjà rencontré Monsieur Muffin? Connaissez-vous Monsieur Muffin? Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Connaissez-vous Monsieur Muffin? Qui vit chemin Nectarine? Oui, je connais Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, je connais Monsieur Muffin, qui vit chemin Nectarine. Allons donc voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Allons donc voir Monsieur Muffin, qui vit chemin Nectarine. Oui, allons voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, allons voir Monsieur Muffin, qui vit chemin Nectarine. Monsieur Muffin est très drôle.
La prochaine fois, allons voir plein d'autres gens rigolos. Avec Bob le Train. Connaissez-vous l'histoire des trois souris aveugles ? Trois souris aveugles, trois souris aveugles. Voyez comme elles courent, voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'une telle ombrée que trois souris aveugles. Trois souris aveugles, trois souris aveugles. Vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes. Les souris alors ont très bien pu voir. Remercier le docteur et dire au revoir. Les trois souris aveugles. Trois souris aveugles sont rentrées chez elles. Elles courent tout après la femme du fermier qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau, les souris l'avaient caché. Les trois souris aveugles. Trois souris aveugles ont pris des pansements. En chantant la pommade les a soignées. De belles longues queues leur sont repoussées. Pour vivre heureuses elles étaient préparées. Les trois souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois! Hey les enfants! Vous voulez voir le monde merveilleux de la mer? Alors embarquez avec Bob le Train! Et n'oubliez pas vos masques de plongée! Promenons-nous sur les vagues de la mer si belle. Suivez-moi sur mes rails, on traverse l'océan. Regardez les poissons faire des bonds sur la voie, on va bien s'amuser, c'est promis. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer. Il y a beaucoup de choses à faire sous la mer. Venez voir. Promenez-vous dans les grottes sur un hippocampe. Explorez avec Bob les récifs de corail. Et vous trouverez peut-être une perle dans une huître. Il y a tant de belles choses sous la mer. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer.
Et il y a tant d'histoires à découvrir dans le monde de la mer. Suivez ses habitants, ils vont vous les raconter. Laissez les baleines chanter la légende de la cité marine, couverte d'écailles d'or, où les poissons rois nagent avec les sirènes et les trains roulent sur des rails flottants. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer. Quelle aventure! On s'est bien mouillé, on s'est bien amusé. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Bob le Train. Bonjour les enfants, voici la chanson que je chante quand je suis loin et seul et j'ai un petit peu peur. Je suis allé près de la mer, je suis allé si loin. J'ai traversé le désert, c'est un endroit étrange. Je ne m'arrêterai pas, je ne paniquerai pas. Je reste sur mon chemin doucement ou vite en haut ou en bas. Traçant, traçant, traçant. Comme le train sur des rails, nous avançons. À travers la pluie et la neige. Traçant, traçant, traçant. Quand tu n'as pas le moral, souviens-toi qu'aujourd'hui n'est qu'un instant passager. Demain viendra de nouveau, apportant une nouvelle clarté. L'instant paraît sans, mais il y aura une nouvelle lumière. Je vais continuer à avancer en chantant cette chanson. Je ne m'arrêterai pas, je ne paniquerai pas. Je continue à avancer à travers l'horloge. Traçant, traçant, traçant. Comme le train sur des rails, nous avançons. À travers la pluie, l'horloge et la neige. Traçant, traçant, traçant. Pourquoi avons-nous peur? Parce que c'est l'inconnu? Mais souvenez-vous, ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui nous sera familier demain! Je peux contempler tous ces lieux, sentir le vent sur mon visage. Beaucoup de choses appréciées, la peur est un déshonneur. Je ne laisserai pas cette peur être un croix porté. Je sourirai car demain je saurai, je saurai. Traçant, traçant, traçant. Comme le train sur des rails, nous avançons. À travers la pluie et la neige. Traçant, traçant, traçant. Ne laissez jamais la peur de l'inconnu vous contrôler. N'oublie pas ce que Bob le Train vous a appris. Bonjour les enfants, vous connaissez l'histoire de Yankee Doodle? Yankee Doodle va en ville, chevauchant un poney. Il a un chapeau à plumes qu'il appelle macaroni. Yankee Doodle c'est plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Jusqu'au camp avec Capitaine Babacool. On y a vu tous les garçons pédaler dans la semoule. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Le capitaine Washington, trônant sur son fier cheval,
donnait des ordres à ses hommes avant la grande bataille. Yankee Doodle, c'est le plus fort. Yankee Doodle, c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse. Il est gentil avec les filles. Quel sacré bonhomme, ce Yankee Doodle! À la prochaine fois!